Vive la quête. On joue, on garde cachet. Bah oui, c'est la base du deck. Allez. Mais alors pourquoi on joue la quête? Je ne sais pas. Là, j'avoue que la quête, j'ai du mal à voir l'intérêt. Là, je vois pas du tout l'intérêt non plus. Mais si, regarde, c'est pas ce qu'on top deck bien. Ah, pas vraiment. En l'occurrence. On va top deck, on va top deck. C'est une baguette pour un. Ouais, mais sauf qu'il faut réussir à l'utiliser. Ah, oh, ça y est, il joue notre deck. Enfin, attends, on jouait pas ça. Ah non, mais ça va pas. C'est pas si fort. On avait les œufs, c'était plus fort. La marque de dédain là. Ouais. Ah, mais attends, ça, on n'a pas de dégâts des sorts, c'est moins bien d'un coup. Ouais, c'est peut-être correct quand même. Il y a Sensu du chaos qui me paraît un peu bizarre, moi aussi, dans le deck. Juste DH top méta avec 3 gros démons. Ah, ça fait quand même une sacrée différence hein, pour le coup. Oh. Il ne se doute de rien. Mon Dieu, c'est encore une arme. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... Cacher au tour d'après. Ouais, troupe dans la 2-4. Ouais. Spell 1, juste non tout trade. Ah, tu veux faire le déchaînement? Ouais, tu proposes quoi d'autre? Bah, en fait, je voulais juste ouvrir l'âme qui coûte 1. On n'a pas besoin. On aura l'âme qui coûte 0 au tour d'après. On peut aussi juste faire frappe du chaos et taper là-dedans, et comme ça, on conserve 2-1-1. Ok, c'est pareil. Le déchaînement de fiel. Ouais. La frappe du chaos. Je me dis, déchaînement de fiel, s'il fait un petit le board de 1-1 là, okay. Ça peut quand même être vraiment stylé. Ok, donc va pour la troupe de guerre. Et la frappe du chaos. J'aurais dû commencer par la frappe du chaos d'ailleurs. D'ailleurs, tape dans la 1-1 avant. Réduire l'attaque. Parfait. Oh, les mécaniques. Et donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on voudrait dans ce match-up? Parce que dans ce match-up là, on n'a pas de démon particulièrement puissant pour le coup. Peut-être que le mieux, c'est juste d'essayer d'aller tête hein, et de sortir l'inquisiteur qui arrive. On peut pas l'empêcher. Il a la pièce ou pas? On peut pas empêcher pièce Rafa. De toute façon, on joue un truc. Hein. Inquisiteur, non? Ou c'est Forge Fiel, tu penses? Il va mettre 8 face. Ouais. C'est tendu, hein. Le truc, c'est que comme ça, potentiellement, on peut le raise. Et je me dis que ouais, on trouve raison, le truc qui raise. Hop, et le cacher. Et face! Il a déjà utilisé la pièce. Ok, donc il peut pas faire Rafam encore. Parfait. Donc là, c'est un gros inquisiteur. Oh, waouh! Attends, il trade, là? Pas sûr de ce trade. Mais si. Ça a même fait rire Alan. Youp. Ok, attends. T'es tentant de piocher quand même pour aller choper la raise. Hein. Ouais, vas-y, faut piocher, t'as raison. En plus, on a du soin. Alors, il faut qu'on tape, par contre. De toute façon, il faut taper dans la 5-5, c'est sûr. On pourrait faire Vision Spectrale. Ouais. Et Fureur. Ouais. Ou Hero Power. Ok. Ou Barrage pour tuer un truc. Ah non, faut qu'on tape. Bah en fait, on doit faire Fureur. Ouais. Ace. Et donc là, si on top deck la Rez, on a... L'étale. Pas l'étale. On a pas l'étale.
Je crois pas. Il aurait dû trade avant, non? Pour faire un petit peu de place. Ouais. On doit avoir l'étal, parce en fait. La juste raise, là, elle, elle fout trop bien la raise. Y'a pas moyen qu'on ait juste l'étal là? Bon. On a 2. Ouais, non. Non, on a pas. Oh là là, non, on perd ça. Inquiétant si on perd cette game. On a fait à peu près tout ce que doit faire le deck. Hein. Ok, non, j'ai une idée. Vas-y, vas-y, frappe du chaos. C'est frappe du chaos, ouais. On trouve Wolfell Breaks Loose. On va face. Ok, je sais pas ce que c'est. Et, et ensuite, vas-y. On a barrage. Ok, ok. Ok, on a un out, on a un out. Mais non. Oh, les escroqueries! Scamed! Mais non, non, Scamed, c'est pas de la chance! C'est pas de la chance, Let's tu l'avais go prédit! Tu l'avais prédit! Oh, c'est si bien joué! Le deck de fou! Le meilleur deck du jeu! Oh là 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 là, quel deck incroyable! Incroyable. Allez, au boulot! Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut changer dans le deck, hein, parce que... Et on doit mettre que des sorts. Ouais. De base. Attends, ça c'est pas bien? Pas mal, ouais, surtout si on joue la quête. Est-ce qu'on joue la quête? Moi, ça me va de jouer la quête, mais je pense qu'on doit carrément rajouter aussi. Plutôt que la sangsue du ça, chaos. Ça, c'est pas possible. Ouais. Tu sais, on met les 3-1-1. Ouais, ouais, ok. Et. Alors qu'est-ce qu'on enlève? L'âme de guerre? Ça dégage, ouais, c'est sûr. Ouais, faut deux festins d'âme et deux marques aussi. Hein. Deux marques? Immorale? Ouais. Oh non! Bah si. On va pas tuer des gens avec la marque immorale. Bah, quand même. Oh, ça dégoûte. Non mais on cut... Le sort qui met les 3-3 vols de vie, bah, ça nous pourrit un peu notre raise si on les joue. Après, c'est des démons. Donc ça active notre... Ok, ok. Non, bah, dans ce cas, faut virer la quête. Moi, je veux bien virer la quête, ouais. On vire la quête, on vire festin d'âme. Ok. Et on vire aussi les 3-3. Ah, du coup, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a perdu dans l'histoire? Lui, ça serait pas bien de le jouer? Si. Si, lui, faut le jouer. Ah, attends, lui, il est bien en vrai avec. Parce qu'en fait, à lui tout seul. Ah, mais non. Pourquoi on joue pas lui? Parce qu'il a des démons 1-2 qu'on a pas envie de reste, peut-être. Ouais, mais en fait, c'est trop fort avec. C'est quand même très fort avec. Avec le cachet. Ou avec Au nom du fiel. Parce que. Ça stack immédiatement tout le Au nom du fiel. Et en fait, après, tu fais Au nom du fiel. Et si t'as que Xilag et ses pédoncules qui sont morts, t'as quand même de grosses chances de reste Xilag. Et du coup, t'as Xilag et 6 pédoncules. Je veux virer le Moarg, du coup. Moi, je virerais plutôt le Tourmenteur. Lui, il nous fait gagner contre DH, non? Ouais, mais on tag pas de DH. Ok. Mais pourquoi on voudrait lui plutôt que le... Enfin, au moins, ça nous donne des options, tu vois. En fait, je me dis, Xilag, au moins il peut clean un peu, tu vois. Si vraiment on est dans un setup où on a besoin. Genre, typiquement, contre le démo là, contre lequel on jouait, ça aurait été meilleur d'avoir Xilag que n'importe laquelle des autres options, je pense. Bah, apparemment, on a perdu 5 subs de Raskar Kraboul dans le néant. Raskar Kraboul. Merci beaucoup. Peut-être qu'on t'a perdu dans le néant distordu du bas du chat tout à l'heure. Désolé. Des bezos. Peut-être qu'on remet une... Tant pis, on remet une lame de guerre Aldrachi. Non, c'est nul. C'est nul. Est-ce qu'on n'a pas trop de pioches? Je pense qu'on a trop de pioches. En fait, je sais pas ce qu'on voudrait d'autre, donc non. Non, ouais. C'est bien. On peut jouer...
On peut jouer. On peut garder un festin d'âme. Peut-être qu'on joue un festin, ouais. Parce que dommage de pas jouer la quête avec toute la drogue qu'on a là au final. Moi, ce que je me demande, c'est genre vision spectrale. Ah, je sais pas. Vision spectrale avec les deux pactes et Kurtrus, c'est un peu bizarre. Hein. C'est dur hein, à activer. Ouais. Ok, et si on vire vision spectrale, on remet festin. Ouais. Et on remet les 3-1-1. Okay. Comme ça, on a de la draw avec le festin. On met juste une fois les 3-1. Ouais. Ok, allez, vas-y. Vas-y, go. Ah, il y a plein d'abonnements. Oula, 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 oula. Oh, tu peux scroll un tout petit peu le chat vers le haut, Alan. Il y a trop d'abonnements. Attends, parce qu'il y a combien de subs de Nedrif, là? Ça n'arrive pas. Merci beaucoup. Il y a 10 subs. 10 subs de Nedrif, what the fuck. Oh là là, merci beaucoup. Et Gueuleton encore. Et les 5 subs de Gueuleton. Alors attends, en parlant de Gueuleton, parce que avant... Attends, je t'ai envoyé le deck. Ah oui, mince. C'est vrai. On a reperdu le son, Alan? Non, c'est bon. Non, c'est bon, incroyable. Tars m'a envoyé le deck. Oui. Tars m'a envoyé le deck. Tars, il est peut-être déconnecté, par contre. Faudrait que je me reconnecte. Ah bah attends, je vais te retrouver, t'inquiète. Je sais pas, t'as 1 million d'amis. Ouais, j'en ai 400. 400 ? Mais c'est des vrais amis, ou... J'espère. T'as Tixuti dans ta liste d'amis, alors que il s'est pas connecté au jeu depuis 1 an et demi, quand même. Ouais, mais c'est un bro, Tixuti. Tu as souhaité la bonne année ? Non. J'ai pas souhaité la bonne année à mes 400 contacts. Ah. Alors qu'est-ce que c'était que ça ? Vas-y, il a l'air marrant, on le joue après. On finit le DH et on le joue. Comme ça a l'air rigolo en vrai. Ouais, vas-y, on le joue à la place du chaman. Ok. On finit le DH et on le joue, il a l'air trop bien. Te spoil pas. Ok, vas-y, je me spoil pas. Attends, hé, hey, t'as vu, j'ai quasiment les 500 wins en DH. Attends, il y a encore un abonnement de Scapula. Il y a encore 5 subs de Raskar Kraboul. Quoi? Ah mais oui, c'est bon. Oh, le pauvre, il se fait squeezer à chaque fois. En fait, on a le truc là. Mais des fois, le chat défile un peu trop vite, donc on n'a pas le temps de le voir. Merci beaucoup, Raskar Kraboul. Alan ne m'aime pas, mais si, il t'aime. T'inquiète pas. On garde cachet. Hein. Ouais, c'est la base du deck. C'est la base. Bah ça, on peut garder aussi. Hein. Ça? Bah, c'est quand même tellement fort. Bah... Allez. Comme on a un deck un peu contrôle, c'est finalement. Gardé. Je dodge mieux les self-gifts, dommage que ça ne soit pas pareil pour l'Ursaf. Non, on parle pas. Alors. Dodged. J'avoue que ça commence à relever du talent, là, d'avoir dodge pendant le stream, mine de rien. Parce qu'il... quelques petits... 15 de gueuleton. 10 de Nedry. En vrai, des fois, c'est cool de pas avoir la quête. T'as l'impression d'avoir une carte de plus et c'est bien. Bah ouais. Moi, j'aime avoir une carte de plus. Et qui hurle derrière nous? Qui hurle? Ah, c'est Amiral, ok. Et Gueuleton qui réoffre 5 subs, merci beaucoup. Il est pas derrière nous. Donc, on va regarder le druide juste après, du coup. Il nous avait échappé, mais il a l'air fort sympathique. Effectivement. Incroyable, ça ne s'arrête plus. C'est une pluie, un déluge. C'est pas qu'il nous avait échappé, c'est qu'il n'y avait pas de screenshot avec. Du coup, ça n'a pas attiré notre attention. Attention qui a été d'un coup réattiré par la pluie de subs offerts par notre ami Gueuleton. Je vois. Moi, Gueuleton, c'est mon ami. Hein. Ah bon? Ah oui, il donne des subs. J'allais dire, je pensais que t'allais dire il m'a souhaité la bonne année. Il a souhaité la bonne année aussi, je suis sûr. Dodge, Madge. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à jouer. Mais du coup, mon marteau, il sert à rien si on joue pas chaman. Est-ce que je... J'ai la gâchette qui démange, là. Vas-y. On va dire que c'est une faux. Enfin, ça ressemble plus à une faux que... un marteau. Une vraie. Encore, merci beaucoup. Merci Nedrif. Merci Nedrif. Let's go. Je sais pas si vous avez entendu dans les micros, ça a fait un bordel quand t'as fait tomber le truc là. Oh merde, merci beaucoup Nedrif. Je crois que c'est 10 subs, je ne peux pas voir. Merci beaucoup. Alors, on a failli perdre Tars sur cette série d'abonnements. On a entendu, ok.
N'oubliez pas d'être gentil et de dire merci, bien sûr, hein, si jamais vous voyez offrir un abonnement. C'est l'esprit des fêtes. Hein. Enfin, c'est plus vraiment les fêtes, du coup, mais c'est l'esprit de la galette des rois. Il y a encore des abonnements. Attends, regarde, Loralek a offert un abonnement. Loralek offre un abonnement, Nedrywin comme 10 subs. Il est où le train, là? Pourquoi il n'y a pas le train? Il arrive, ah, il arrive. Y a le train, d'accord, ok, je me demandais, parce que je me disais, bon, le train, quand même, il est retenu en gare, là, what the fuck. Je me suis fait mal à l'épaule en voulant rattraper. Oh, je suis un vieux, c'est terrible. Merci beaucoup, Ganactical. Ah oui, oh oui, on est au train de l'hype niveau 7, what the 7 fuck. Ah oui, d'accord, très bien, super. On le voyait pas bien. Merci beaucoup, et Loralek également, qu'offre un sub à Nathanos. Merci à tous. Et on est encore contre un match Big Spell. Dodger, quel est votre métier ? Il a 10 d'armure, lui. Hein. Ça veut dire qu'il joue à tour, probablement. Très probablement. Peut-être qu'il joue juste un bon deck. Possible, hein ? Ouais, les gens qui se remercient dans le chat et tout, c'est beau. Putain, c'est beau. Hein. Alors regarde, là, ce qu'on va faire. Nous allons lier cette âme à Xilag. Ok. Et ensuite, nous allons invoquer Xilag. Qu'ensuite, nous pourrons répliquer jusqu'à 2 fois, potentiellement. Exceptionnel. Ok. Accompagné de sa multitude de pédoncules. Gueuleton qui réoffre 5 subs, merci beaucoup. Mais arrêtez d'être généreux. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Alors, bon bah je ne dodge plus. Ah. On va avoir un petit problème quand même. Hein. Un dodger supplémentaire a été vaincu. Bon, on fait ça et on envoie dans la 3-5. Ouais. Même c'est que là en face, l'adversaire. Ouais. Attends, il y a encore 10 abonnements ou... Ah oui, il y a monsieur Justaplica qui réoffre 10 subs. Merci. What the fuck. Nous sommes au train de la hype niveau 8, ce qui est beaucoup. C'est un gros train de la hype. Je te propose de faire deck doctor tous les soirs, Odenia. Deck doctor tous les jours. Les gens ont l'air d'apprécier. Ils m'ont oublié donc 20. Oh là là. Ah oui, d'accord, très bien. Encore. Merci beaucoup, Nedrywin, pour les 10 subs. Noni. Ok, ça part en rune pendant que des subs tombent par millions. Nelferis qui s'abonne lui-même, hein, puisque voilà, il prend les choses en main. On a mis Perpète à un pédoncule. Ça a l'air pas mal cette rune. Hein. Ça a l'air mieux que les sorts à 8 de mana qui invoquent des petits taunts. Ça fait crado. Est-ce que tu peux mettre Perpète à mon pédoncule? Pardon, excusez-moi. Bref, je me perds en... Oui, bah là, ouais. Non mais attends, mais c'est trop fort les runes. What the fuck, on est à plus de 100... On est quoi, on est, j'allais dire, tour 9. Et encore niveau 9. Merci, mes Pépito. What the fuck, merci beaucoup, mes Pépito, pour les 5 subs. Aïe, c'est okay. Absolument n'importe quoi. Faut tester les counter spells, ouais. OD. Tout à fait. Bon. Un petit tonon du fiel ? Ouais. Il est Géchard. Ok. Et tu vois, c'est sympa. À pouvoir héroïque, est-ce qu'on tape dans la 3-2 ? Bah. Ouais, la 3-4, elle va dans la. Ah non ! Oh non, on va fail. Non, l'épée donc. Ah, tu veux. Mais est-ce que t'as peur de la 3-6 ? En vrai, autant taper, comme ça, si c'est la 3-6, on la tue. Okay. On n'a plus à s'en préoccuper. Et pouvoir héroïque face. C'est vrai que c'est pas mal, hein, cette histoire-là. T'as vu ? C'est cool, hein ? Oh, punaise. Merci, Loralek, qui réoffre 2 subs, si je ne m'abuse. Et merci, Nedrif, pour les 2 subs également. On essaie de rater personne. Je ne garantis pas que ce soit réussi. On a sûrement raté des subs de Raskar Kraboul encore. C'est le thème de la soirée. Et on est sur le point de battre votre précédent record. Continuez votre soutien. Regarde, c'est écrit, il y a une petite coupe en haut. Ah, c'était, je crois que c'était le mois dernier qu'on avait fait le record de manière totalement random. Ah, on a raté Choupi. On a raté Choupi, et ben voilà. C'est le genre de choses qui arrivent. Attends, mais on a raté le sub de Choupi, oh merde. Allez, c'est Oupsi fini. Adieu, D. T'as raté le... Ben merci, Choupi. Merci beaucoup. Pour ton abonnement.
Merci Dark Gapster pour l'abonnement avec Prime Gaming également. Qu'est-ce qu'il fait lui? Astalor. Astalor. Attends, parce que là pour l'instant. Certes, il le gèle, mais les pédoncules augmentent en puissance. La puissance colossale de mes pédoncules. Attends, mais là c'est. Ouais, c'est des grands pouvoirs héroïques qui partent et tout dans la tête. Hein. Est-ce que ça traite dans la 3-4? Non. Ah, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire déchaînement? Ouais. Ouais, déchaînement. Attends, on a gagné? Ah bon? Non, 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 non. Presque. Ouais, on n'a pas tout à fait l'étal. Si. Il en faut deux dans la tête, ça va. Piou, piou, piou. Oh oh non! Mais attends, ça va être le... Attends, mais... Est-ce qu'on va faire un passage légende en deck Doctor? Attends. Ça serait très très drôle, en vrai. On a raté Van Hoff, deux subs, Potter the Best également, merci beaucoup. Oh là 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 là. Laissez-moi avoir des pubs. Des drifts qu'offre un sub à Docteur Disrespect. Oh, allons-y, c'est parti. Hein. Ouais, allons-y. Soyons fous, hein. Eh, hey, mais on fait que gagner, c'est une dinguerie. Et j'ai hâte de tester le druide parce que je le sens bien aussi, ce petit druide-là. Ouais. Laura Alec qui est dans le chat, qui est en haut d'un immeuble en train de sniper les Dodgers. Là. Avec des abonnements un par un. Ah, tout le monde dit Dodget du coup. Ah bah c'est vrai que ça c'est une stratégie. Après. Oh Astaroth, c'est pas quelqu'un du chat. Après il y en a peut-être plusieurs en vrai. Tu sais que Dark Tars est de retour en ladder. Dark Tars, c'est vrai? Bah y'a un mec qui s'appelle Tars, il joue que prêtre et il insulte tout le monde. Et il est légende et tout, et là je commence à réavoir des gens en MP qui me disent « Ouais, j'ai croisé Dark Tars, il a insulté ma mère et tout. » Il s'appelle juste Tars aussi. Oui, il s'appelle juste Tars. Ah, okay. Rien, c'est rien. Ouais. On garde Marc Gudet, non? Tars. Bah je sais même pas. Non, Tars. On garde le truc du milieu là, par contre. Ça? Allez. On garde Marc du Dédain quand même. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Au pire, on lui mettra 3 face. Hein. Merci, Bladium. Bambou luisant. Merci beaucoup. Dark Tars, c'est incroyable. Dark Tars, être comme, je déteste toutes les méta. Il joue que prêtre tout le temps, en plus. Oh, prêtre ombre. Hop. Un autre Tars, oui, oui. Non, mais j'ai peut-être deux comptes. Dark Tars, être comme, je ne joue que les decks méta. Peut-être j'ai deux comptes, hein. On sait pas, si ça se trouve c'est moi depuis le début. Hop là. C'est ça, une banshee. Les cristaux décideront de votre destin. Un mort-vivant là, un deux? Non. Du coup, vous aurez peut-être tué la banshee tout de suite, non? Ça paraît judicieux, ouais. Vas-y. On ouvre l'âme direct, hein. Ouais, bah... Tant qu'on a du mana, hein. Vas-y. De toute façon... Je pense que c'est Xilag ou Moharg? Moharg, ça doit être fortiche quand même dans ce match-up, mais Xilag, ça peut tuer tellement vite. C'est Moharg, histoire de tester un peu toutes les facettes. Allez, vas-y. Ouais, j'avoue, comme ça, on aura fait les trois. C'est excellemment observé, docteur. Il fait le deck docteur aussi en face, et bah écoutez, il nous régale, hein. Voilà. Ils ont cassé mon chat avec tous les subs obligés de F5. Vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Gambatte Kudasai. Alors, Amelier. On fait ça, hein? Ouais. Hop. Et un petit cachet. Et un petit cachet. Empressons-nous de le jouer. Mais 17 dodge par les docteurs. Désolé, Tigo. Oh, comme on l'a dit, on n'a pas accès tout pareil au chat comme d'hab. Mais merci beaucoup, effectivement. Il y a eu un peu... Ça a été un peu l'apocalypse, hein. Tars, le Dark Doctor. Ah, je vais avoir une bise noire. Le Drip Doctor. Bah, je viens de bloquer ma CV, suspicion de fraude reçue en SMS. Apparemment, il y a des techniques comme ça où... Oupsi. Tu sais, pour tester la CB des gens qui ont volé les ils CB. Ils offrent des subs. Ils offrent un petit sub. Ouais. Ils disent, ah, c'est bon, celle-là, elle marche. Et hop, ils feront des grosses commandes après. Alors, bon, on envoie juste la troupe. Hein. Elle nous inflige des dégâts si on la tue pendant notre tour. Je te propose de la tuer pendant notre tour.
Attends, mais là, les, sorts à, les vols de vie, ça va le démolir. Mais j'ai l'impression que les vols de vie vont lui faire mal, ouais. Un peu trop bien renseigné, Tars. C'est Dark Tars qui m'a tout appris. Là, on fait des vols de vie, hein. Plutôt que bah le cachet. Après, est-ce que c'est pas l'occasion de faire le cachet? Allez, allez. On lui laisse juste la 2-4, hein, par contre. Ah, what the fuck? Merci, Irish Doudou, trop d'abonnements. Qui offre 10 subs, merci beaucoup. Ouais, c'est Francky aussi qui offre 10 subs. Nani! Attends, on a raté Bépé Pito, il y a Bépé Pito au-dessus, mais c'est juste que oh je le vois pas. Oh, mais c'est incroyable ça. Attends, on est passé au niveau 10, non? On est passé... Attends, parce qu'on a explosé le niveau 9, en fait. Le niveau 9 a disparu. Il est mort. Mission vous l'avez tué, vous êtes des monstres. Ah, merci beaucoup à tous pour votre soutien. pendant ce temps-là, il se prend un Mohawk et il se demande ce qui est en train de lui arriver en face. Oh, ça me flingue. Ça va juste être une troupe de guerre, je pense. Hein. Non? Tu es là. Ah, c'est peut-être mieux de mettre pacte, histoire d'être sûr de pouvoir... Ah, je sais pas, non, faut tuer la 1-3 en vrai. Elle paraît dangereuse, ouais. Ouais. Vas-y, donc on voit tout ça là-dedans. Lui, on peut le laisser, hein. Ouais. Pas qu'il meure pendant notre tour. Bah, on fait le spell à 4 dans la 1-3. Ouais, on pourrait faire ça d'abord, hein. Ça tue une 3-2. Ouais, vas-y. Peu importe l'ordre. Merci à Anonymous ZY également. Et ça là-dedans. T'as failli misclick de fou là. Ah bon? Oh, on a raté un dégât. C'est vrai? Ah, ou alors tu fais. Ouais, ok, non. J'aurais pu faire un Hero Power pour faire 2 points de dégâts dans sa tête. Ah! Problème qui se termine dans 2 jours, vous pouvez pas attendre. Non, ils ont décidé que ça serait aujourd'hui. C'est le retour du deck Doctor en studio, apparemment ça vous a fait plaisir. Moi ça me régale également. Ha ha! Pas de dégâts pour toi, tu es faible. Ah, regarde, 8 points d'armure! Et en plus, on va pouvoir rester ce truc-là. Si faible. La question, c'est est-ce qu'on veut le res? Putain, attends. En vrai, moi, j'invoquerais bien Xilag pour commencer à faire les noms du fiel. Après, les Raldag... Tout est fort, là, dans notre main. En fait, le truc de gauche, il a pas de morts-vivants qui sont morts, non? Donc, faut faire le truc de gauche tant qu'il peut pas refaire son spell à 5. Ouais. Donc là, on échange. Ouais. On ouvre. Tant qu'à faire. Ouais. On prend... Inquisiteur, comme ça on le joue que si on a l'étal. Allez, vas-y, hop. Et on fait ça. You. Et là, il peut pas nous tuer nos trucs parce qu'il a pas de morts vivants qui sont morts. Et si jamais il les tue, par une autre option, ouais, on peut juste les réinvoquer. Exactement. Plus de l'armure. Merci Noxis pour le Prime également, des bisous. Et du coup, alors attends, parce qu'on parlait des missions, on parlait de Deck Doctor. La semaine prochaine, vendredi prochain, ouais, je vais organiser un petit, une petite émission un petit peu cool, un petit peu spécial. Voilà. Rien de fou, mais voilà, on va se faire une bonne petite émission plateau qui va vous faire plaisir, je pense. Voilà. Genre, il y aura des repas? Non. Ah, je sais pas, t'as dit plateau. Non, repas. Mais plateau, genre là comme le plateau qui est devant toi là. Voilà, exactement. Bon, allez, il est temps de tout raise. On reste où? Ouais. Raid. D'abord le raise. Ok. Bon, hein, moi je. La carte de gauche. Youp. On trade? Ouais. Spell 1. C'est horrible la quantité de heal dont on dispose. Ce qu'on est en train de lui mettre. J'aurais réussi à dodge tous les subgifts. Eh ben, félicitations, c'était pas simple, mais tu l'as fait. Voilà. Donc c'est la preuve que si tu donnes tout ce que tu as, je pense que tu ça, peux réussir. Je pense que ça, c'est des messages de gens qui veulent se faire offrir un sub. C'est possible. Bravo. Félicitations. Mmh. Non, c'était pas simple. Bon, alors c'est pas tout ça, mais faut quand même qu'on finisse la game à un moment aussi. Bon, non, on n'est pas pressé. Oh oui, c'est vrai. Pardon, j'ai menti. On fait ça? Allez. Et ça? Ça, allez. On varie les plaisirs. Youp. Youp.
100% de victoire pour les docteurs, on est en train de massacrer les adversaires. On n'a pas perdu une seule game pendant qu'on discute ça, et qu'on lui au sub. C'est la puissance des subs, ça. Attends, il n'y a pas eu genre 170 subs, là. Plus, non. What the fuck. On était à 3060 grands, ce matin. Vous êtes des grands malades, en vrai. merde. Et de l'armure. Allez, salut, hein, des bisous. Merci d'avoir joué. Il est temps de tester le druide. Allez, testons le druide. Il y a eu 161 subs, très bien ça.